on va la refaire, ça c'est une erreur habituelle de ma part, j'oublie toujours de remettre le son avant de commencer les lives, donc je suis désolée, donc je la refais, coucou à tous, c'est Crime, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne ce matin, donc c'est un live un petit peu matinal, hein. Ça change un petit peu, et puis voilà, on va avancer un petit peu dans le défi de la crise financière avec notre pauvre Penny Pizzaz qui galère un petit peu. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous déjà, à ceux qui sont arrivés. Bonjour Lionel et bonjour Crémeuse. J'espère que vous allez bien. Donc, écoutez, on va partir. Hein. Alors, quand j'ai lancé mon jeu, il y avait Don. Je sais pas ce qu'il fout ici, je me souviens pas. On avait peut-être fait une séance de crac-crac dans le buisson avant de finir le live. C'est pas possible. Je me souvenais pas qu'il squattait chez moi, mais il va vite repartir. Hein, puisque effectivement, maintenant, j'ai un chez moi. Voilà, j'ai 4 murs, un toit, un lit, une douche, des toilettes. Wouhou ! C'est le grand luxe. Je sais pas jusqu'à quand. Jusqu'à ce que je reperde tout mon argent avec une carte chance malheureuse. J'ai 320 simflouz, la vie est belle. On vient de finir la deuxième semaine de jeu. Il reste donc 2 semaines quasiment, un petit peu moins de 2 semaines avant la fin du challenge. Du coup, on va y aller. On va dire à Don d'aller s'en aller parce que bon, quand même, il va pas squatter. On a plus besoin de lui. On va prendre une douche d'abord. Oh, une douche. C'est la première douche de Penny depuis le début de ce challenge. Je sais pas si vous vous rendez compte. La pauvre, elle avait pas vu un savon depuis... Ouf. Depuis un bon moment. Donc tu penses qu'elle est contente? Depuis le temps qu'elle avait pas vu l'eau ailleurs que sous la pluie. Lui, il est mort de rire. Allez, rentre chez toi. La douche, elle va durer 6 plombes, quoi. Il doit y avoir 12 cm de crasse sur sa peau. La pauvre Penny, là. Du coup, on avait tiré la carte chance, hein, il me semble, avant de machiner. Le travail, c'est quand déjà? Je crois pas qu'on avait commencé à travailler dans la carrière à faire. Hein. Non, non. Donc, il faut qu'on travaille lundi, mardi et mercredi avant de chercher un autre travail. Ah, il s'est barré. Très bien. Et il revient. Oh bah. Ah bah tranquille quoi. C'est comme chez toi, Don, hein. Hey, merci Lionel pour le follow, c'est très gentil de ta part. Ah bah Don, je vous dis, il est à fond sur Penny, hein. C'est pas possible. Depuis le début, c'est lui qui prend les initiatives. Tu vas pas rentrer chez toi. Je vais finir par l'épouser, hein. Je vais être obligée, hein. C'est pas de ma faute. Pas de ma faute. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose entre eux. On peut pas le nier. Hein. Il y a un feeling, quoi. Bon, par contre, excuse-nous, Don, mais il faut qu'on gagne des sous, quoi. Parce que c'est un peu la dèche. Donc, on avait réussi à se construire cette jolie petite maison grâce à un coin de pêche qu'on m'a donné dans le dernier live. Et coucou Marie, et ben oui, pour une fois, je suis contente, merci beaucoup d'être venue. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, je fais pas beaucoup de live ces derniers temps avec la chaleur, et puis j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Cette semaine, j'ai travaillé 55 heures. Voilà, en sachant qu'à la base, je suis à temps partiel quand même. Donc, j'ai beaucoup de boulot, du coup, je stream pas aussi souvent que je voudrais, et quand je rentre à la maison, je suis tellement morte. Parce que je fais des journées de 12 heures. Enfin, quand je rentre, je suis tellement fatiguée que c'est pas la peine que je lance un live parce que ça va pas être... Enfin, moi, je vais être naze et vous allez pas apprécier, quoi. Donc, voilà. Et merci, Lionel, pour le hosting. Merci beaucoup. Cherchez le mot en français. Donc, pour l'hébergement. Il a eu du mal à venir. Donc on va lui faire peindre. Et lui, il reste planté là. Non, mais je vais être obligée de le faire rentrer dans la famille, voyez bien. Voyez bien qu'il est amoureux, ce pauvre homme. Donc, je vais pas pouvoir le laisser tomber comme ça, moi. Don me fait de la peine. Don est... Ceux qui me suivent savent que Don est un peu mon chouchou dans... Oh, mais ce sourire magnifique.
Don est un peu mon chouchou dans les PNJ et du coup, je m'en sers un peu à toutes les sauces. Sans aucune vergogne. Hop, on va aller récolter. Il y a des choses à récolter par là-bas. Pendant qu'elle finit, je vais voir s'il n'y a pas des. Non, des trucs à ramasser, des pierres à casser. Alors, si il y en a qui me rejoignent pour la première fois ici, je fais donc un challenge crise financière sur les Sims, qui est en fait un challenge où tous les jours on tire un peu, on tire les dés et suivant ce qu'on obtient, on a des avantages ou des inconvénients et du coup on se retrouve toujours sans argent. C'est assez marrant comme challenge, donc je suis à la moitié à peu près et pour l'instant je m'en sors. Et oui, Lionel, je stream régulièrement, alors pas tous les jours hein, parce que je peux pas, mais disons deux, trois fois par semaine au moins, je dirais. En général, plutôt le soir ou comme là le matin. Le plus souvent sur les Sims. Mais je joue aussi à World of Warcraft. Là, il y a l'extension qui va sortir. Donc, je vais partir du 14 août. Je vais pas mal streamer sur WoW. Je joue aussi à des petits jeux comme Don't Starve, Stardew Valley. J'ai fait aussi des lives sur D3, sur PS4. Voilà. C'est à peu près l'étendue de mes occupations. Attends, on va mettre pause pour ne pas perdre de temps. Et on va continuer à chercher. Il n'y a pas de caillou. Ah si, un caillou. Il est gros comme le nez. Au milieu de la figure, je le vois pas. Hop. Poussez-vous les gens. Alors. Je regarde juste si j'ai pas d'autres cailloux ou d'autres choses à récolter. Récolter. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est pas mûr. Tu, 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 tu. Bon, il n'y a que dalle, hein, franchement. Franchement, il n'y a pas grand-chose à récolter là aujourd'hui, hein. C'est un peu la dèche. Alors, il se peut que j'en loupe, hein, parce que je les vois pas, mais. C'est quand même un petit peu la dèche, là, du côté des. Il n'y a pas de grenouilles, il n'y a rien à. Il n'y a pas de pognon à se faire. Ah, il y en a un là. Ah non, celui-là, je l'ai déjà mis. Je sais pas si je l'ai mis. Tiens, on va le remettre. Tiens, vas-y, tu peux commencer à y aller, Penny. Hop, encore un caillou. Il y a des choses par là-bas. Ça se récolte. Oui, récolter poire. Ici, qu'est-ce qu'on a contemplé? Allez. Non, bah il n'y a plus rien d'autre, je crois. On a fait le tour de l'île. Bon, on a fait le tour. Hey, coucou Rick and Roll. Bienvenue par ici. Donc pour ceux qui connaîtraient pas le challenge, j'ai le droit de récolter tout ce que je veux, mais je ne peux le vendre que le dimanche. Donc comme nous sommes dimanche, c'est l'occasion de vider mes poches. Par contre, j'ai pas eu de. Il n'y a pas eu le. Comment ça s'appelle là? Oh merde. Le marché aux puces là. Du coup, j'ai pas pu aller vendre mes machins en sachant que j'en ai vendu un par erreur dans le dernier live. Tant pis. Donc, on est dimanche. J'ai le droit de vendre ce qu'il y a dans mon inventaire à part les My Sims. Donc, allons-y, vendons ce qu'il y a dans l'inventaire. Ah bah c'est tout. C'est tout pour l'instant. On va voir ce qu'elle arrive à récupérer. Des cailloux. Tu peux essayer de retourner pêcher à Magnolia. Ouais, je vais essayer. Mais je trouve ça un petit peu trop facile en fait. Je trouve que. Je trouve qu'il y a tellement de. Attends, j'ai vu un truc qui brillait là. Je trouve qu'on récupère tellement de. Ah non.
On récupère tellement de trucs qui valent cher et d'un coup qu'en fait ça devient trop trop facile. Donc je pense que j'irai que si vraiment vraiment je suis dans la mouise. Parce que voilà, vous entendez tout le pognon que je me suis fait l'autre fois en allant pêcher là-bas, c'était pas possible. Tu parles d'une crise financière, toi, tu ramasses des trucs à 1000 simflouz dans le ruisseau, quoi. C'est pas possible. Donc j'irai en dernier recours. Et merci Rick and Troll pour le follow, c'est très gentil de ta part. Et du coup, c'est bien, la petite jauge avance, ça fait plaisir. Alors, comme vous avez pu le constater, Penny Pizzas chez moi ne ressemble plus vraiment à la Penny Pizzas que vous pouvez avoir dans votre jeu. C'est à cause d'une carte chance, enfin d'une carte malchance même, qui, comme j'ai pas réussi, ou j'ai pas voulu le faire, je me souviens plus, le défi qui m'était lancé, bah du coup, j'ai dû augmenter la surface physique, je dirais, de Penny à son maximum. Donc c'est pour ça que. Mais c'est bien Penny Pizzas, hein, juste, la peau de chance. C'est quoi ça? Mince. Hop, je peux le vendre. Hop, et hop. Allez, rentre à la maison. Hop, mettre dans la. Bah, j'ai le droit de le vendre du coup. On est toujours dimanche, oui. Je vais essayer d'en faire un ou deux de plus avant la fin de la journée. Ah, oh bah écoute, ça me fait plaisir. Écoute, si c'est moi qui. Si grâce à. Si je peux bénéficier d'un follower de plus grâce à ta bonne humeur, je prends, pas de soucis. Sympa le pull, ouais, il est un peu pourri le pull, hein. Elle a un petit peu traîné partout, hein. C'est la crise, hein. Pas de machine à laver, c'est un peu compliqué. Penny, elle a pas d'argent, mais elle a quand même l'air de bien manger. Eh oui, c'est une carte malchance qui l'a rendue, comment dirais-je, bien portante. Voilà. Donc, bon, tu rentres ou tu rentres pas? Non, parce qu'on va pas être dimanche toute la. Juste pendant des heures non plus, hein. Alors dépêche-toi d'en faire encore une. Qu'on commence la semaine avec un petit peu d'argent parce qu'on sait pas quelle carte pourrie je vais pouvoir tirer après. Pareil, on m'a fait remarquer quand j'ai posté les rediffs du live sur YouTube que je m'étais trompée, notamment en tombant sur certaines carrières. C'est-à-dire quand j'étais tombée sur carrière, j'ai cru qu'il fallait que j'aille travailler alors qu'en fait c'était des carrières freelance. Donc j'ai un peu. Bah, oula, c'est l'orage, je trichais à l'insu de mon plein gré. Donc, bon, on va dire qu'entre le My Sims que j'ai vendu par erreur et ça, j'ai un petit peu. J'ai un petit peu triché. Il n'est pas pourri, il est juste très nature. Voilà. C'est des vêtements un petit peu usés, quoi. C'est des vêtements qu'on aime, qu'on met tout le temps et qu'on lave jamais. Alors, elle a même des fenêtres, quoi. Je veux dire, elle a une maison avec des fenêtres et de la lumière et un lit. Non, mais moi je dis, t'en es bien sorti, quoi. Merci la pêche à Magnola. Promenade. Allez, zoom. Quelle heure il est? Oui, j'ai un bug dans MC Command Center. Allez, dépêche-toi, là, je pense que c'est le dernier qu'on va pouvoir. Enfin, on va pouvoir en peindre d'autres, mais c'est le dernier qu'on va pouvoir vendre. Vendre. T'as envie de faire pipi, mais tu veux pas faire une peinture de plus? Allez, une petite dernière, s'il te plaît. Petite dernière qu'on pourrait vendre comme ça. Après, promis, t'iras dormir. Oh! Après la première douche, la première nuit dans un vrai lit. Eh ben dis donc, Penny, elle va bien s'en sortir. Hein. Ah, elle veut plus. Allez, peut-être si tu fais pipi, après tu voudras bien y retourner. Allez, dépêche-toi, il reste 40 minutes, même pas. Allez. Je surveille le compteur. Ah, il finit, vendre. Hop là. Allez, vends. Voilà, donc à partir de maintenant, je ne peux plus rien vendre.
Allez, tu vas aller manger. On va se faire un vrai repas maintenant qu'on a un frigo et tout quand même. Un plat pas cher quand même, mais genre un haricot aux saucisses, ça m'a l'air d'être le moins cher. Ah non, sandwich au fromage. Oh bah, salade du jardin, tiens. Allez, vendu une petite salade du jardin qu'on va pouvoir conserver au frigo. Ah, et merci Mohamed aussi pour le follow, c'est très gentil de ta part. Je crois qu'il n'y a pas eu l'alerte encore, mais je viens de le voir dans le chat, donc fais gaffe, ça serait dommage qu'elle se fasse foudroyer au milieu du change. Ah non, 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 elle sort pas là. Elle ne sort pas. Elle reste chez elle, à l'abri, maintenant qu'elle a un chez elle. Oui, voilà, son pull, c'est un doudou. Un doudou, ouais, comme sale, comme tous les doudous, tu me diras. Mais voilà. Par contre, je sais pas pourquoi elle a cette tenue chaude à l'intérieur. Ah, voilà la fameuse alerte qu'on n'avait pas eue jusque-là. Allez. Tu manges et tu volis. Ah oui, ce que j'ai pas acheté, par contre, c'est un truc pour la distraire un peu. Du coup, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je sais pas ce que je vais acheter pour la distraire qui me coûte pas trop cher. Je crois que je vais acheter une bibliothèque. C'est ce qui va me coûter le moins cher en distraction. Allez, tu vas goûter les joies. Ah bah non, en distraction, pardon. J'y donne. J'y donne pour la distraction. Je vous baisse la tête. On l'appellera demain matin. Il fera notre distraction. Ah ben merci Mohamed, c'est gentil. Ouais, il va nous, c'est lui qui va nous remonter le divertissement et le social. Ah ben ça remonte beaucoup plus vite l'énergie dans un lit que. Ah oui, il faut que je hop, verrouiller la porte pour tout le monde sauf Penny. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire un, comment dire, mordre par un vampire. Donc tu vas manger et puis après on va appeler notre ami Don, n'est-ce pas, qui va s'occuper de remonter les barres divertissement et social, en espérant qu'il nous dise pas qu'il a autre chose de mieux à faire parce qu'à ce moment il se rebelle. Ah bah non, faut aller au travail. Non bah Don il te distraira après. En 3 jours, on peut-être. Ah non, remplir des rapports, j'ai pas d'ordinateur. Oh, je peux payer mes factures, c'est beau. Attendez, j'ai oublié. J'ai oublié, il était 10h, fallait que je tire une carte chance. Alors. Ah putain, je sais plus. Hier, on a eu chance, hein, je crois. Donc, on va tirer événement. Donc, pour ça, j'en appelle à mon amie Siri. Dis Siri, donne-moi un chiffre entre 1 et 26. Nombre aléatoire entre 1 et 26 font 5. 5. Alors, événement. Événement, le 5, il y a de l'eau dans le gaz. ça, on était déjà tombé dessus, je crois. Rien ne va plus entre vous et votre partenaire, et suite à une énième dispute, vous avez décidé que c'était fini. Votre Sims doit rompre avec son partenaire, stade, petit ami minimum, ou un de ses partenaires. Donc, si je le réussis pas, bah, c'est ce que j'avais eu la dernière fois. Finalement, vous êtes revenu sur votre décision et n'avez pas rompu, sauf que votre partenaire est un maniaque du contrôle et que maintenant, vous êtes en stress. Du coup, vous avez profité des hot dogs à volonté au restaurant, aux grandes dames de votre balance. Dans le CAS, mettez le poids de votre Sims à son niveau maximal. C'est ce qui m'était déjà arrivé la dernière fois. Et du coup, bah, je crois qu'on va pas s'emmerder, hein. On va pas rompre et puis de toute façon on est déjà au maximum de son poids, on va pas. Ça changera rien, donc on va rester comme ça. Oh, bah, ça sert à rien, on peut pas être plus. On peut pas être plus large. J'irai voir quand même des fois que. Des fois qu'elle sort descendue un petit peu, mais je pense qu'on y est déjà là. Excusez-moi, il est quand même. Il n'est pas 10h du matin, du coup j'ai pas la voix encore très. J'ai encore parlé à personne à part vous depuis ce matin, donc ma voix se pose à peu près comme elle peut.
Alors ensuite. Bon, par contre, je me rends compte que ces machins-là, ça marche pas du tout, hein. Donc, je pense qu'on va les balancer parce que du coup, ça n'a aucun intérêt. Faudrait que je tente ces défis, ça pourrait pimenter un peu le jeu. Bah moi j'aime bien, franchement j'aime bien parce que au moins ça te donne des objectifs, des choses, puis ça rend le jeu un peu plus difficile. Surtout ce challenge-là, je trouve. Hein. Je trouve qu'il est quand même particulièrement compliqué. Payer les factures, tiens. Donc on a vu 3 jours de travail, je crois, dans la carrière à faire. Il faudrait que je note parce que du coup, je sais plus. Parce que oui, c'est ça, il me semble que je devais travailler lundi, mardi, mercredi. Donc, j'espère que je me trompe pas. Du coup, tu vas aller prendre une douche. Puis on va appeler Don. Youhou! Par contre, visiblement, c'est que SQL entre eux, hein, parce que au niveau amical, ils sont c'est à peine s'ils se connaissent. Par contre, niveau crac-crac, ça y va, hein. Pareil, parce que c'est vite lassant d'avoir sa petite vie normale de Sims. Oui, et puis franchement, les Sims, c'est. Enfin, comment dire. C'est facile au début, même si tu triches pas rapidement, l'argent coule à flot. C'est pas. Il n'y a pas grand-chose de difficile, quoi. C'est quand même assez rare de game over une partie, quoi. Du coup, les défis, ça rajoute un peu des contraintes. Elle est toute tendue. Attends. Je compte sur Don. Voilà. Attends. T'en vas pas, chouchou, t'en vas pas. Hop, amour. Embrasser d'abord, là, quand même. Elle est tranquille. Hop, faire crac-crac dans le buisson. Allez, go. Il est parti? Il est pas parti. Et ben, en fait, les défis comme ça, c'est des gens qui les inventent, quoi. Donc là, par exemple, pour le défi de la crise financière, j'ai trouvé les règles sur le forum officiel. Pour, voilà, sur le forum officiel, il y a quelqu'un qui a inventé ces règles et ces contraintes pour en faire un défi, quoi. Après, libre à toi de les respecter ou pas, mais oui, il y a d'ailleurs un sujet sur le forum qui liste tous les challenges et tous les défis qui sont disponibles bah, sur le forum. Donc, si vous avez manqué d'idées pour des challenges ou quoi, n'hésitez pas à les piocher dans la liste. Il y a vraiment de bons défis et des trucs vraiment intéressants à faire, quoi. Oui, j'utilise Don dans tous mes challenges. Non, c'est pas vrai. Dans le Wonder Child, je m'en suis pas servi. Je m'en suis pas servi dans le Wonder Child. Je m'en suis pas servi dans le Single Team Challenge non plus. Donc finalement, il y a quand même pas mal de challenges où je m'en sers pas. Quand même. Allez, encore un petit coup parce qu'elle n'est pas remontée totalement. Allez, je compte sur toi pour me la détendre. Merci. J'ai jamais vu Misère, il faut vraiment que je regarde partout. Alors c'est dans le coin des créateurs, que je dise pas de bêtises, et après t'as une sous-catégorie histoire et challenge, je crois. Et le sujet doit être épinglé en haut de la salle. Si je me trompe pas, ça doit être à peu près ça. Bon ben voilà, les barres sont remontées, on est parti. Voilà. On est reparti. Bon du coup je fais pas le défi, hein. Parce que si je romps avec Don, qui c'est qui va me remonter mes barres sociales et divertissement? C'est bon. Bah de rien, écoute, hein, si ça peut servir. Bah tu vas faire des peintures, de toute façon. Alors, je peux faire les peintures, par contre, je peux pas les vendre avant le dimanche d'après. Mais du coup, ça vaut le coup d'en faire quand même, d'avance. C'est ça le but, c'est essayer de récolter un maximum de choses, la semaine pour pouvoir vendre le week-end.
Non, je veux pas venir. Allez. Je dois vraiment y aller. Ok, c'était sympa. Merci, toi aussi. Mettre dans l'inventaire. Allez, encore une petite toile et au dodo. Toile classique, grande toile classique. Dormir. Allez hop. Bon, bah c'est bon, on s'en sort bien. On verra de quoi sera fait la carte chance de demain. Parce que c'est surtout dans les cartes chance qu'on perd de l'argent. Il y a moyen d'en gagner aussi, hein, mais bien souvent on en perd. Donc. Alors, la mise à jour de la galerie. C'est bien. Non, mais c'est bien. Il faut de temps en temps mettre à jour les choses. Maintenant, je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Je veux dire, la plupart des créateurs réclament depuis le début qu'on puisse choisir, sélectionner la photo de présentation parce que bien souvent, elle n'est vraiment pas avantageuse pour la création. Et voilà, ils sont un peu coincés parce que s'ils veulent faire mettre une photo personnalisée, bah du coup la galerie considère que il y a des CC et du coup ils ont moins de visibilité. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? À travers le mur quoi. Espèce de espèce de voilà. J'aurais pas dû mettre le lit contre le mur. Bref, attendre qu'il ait fini. Ah mais elle sort en plus. Non mais n'y va pas. Vas-y, retourne te coucher. Et donc je pense qu'ils auraient pu aller plus loin dans le truc parce que voilà, il y a des options qui sont attendues depuis bien longtemps et qu'ils ne mettent pas en place. Mais sinon après la mettre à jour, oui, très bien. Et par contre, voilà, ce qui est un peu chiant, c'est qu'on a gagné une mise à jour et qu'on a gagné aussi le fait que les screenshots qu'on prend avec la touche C sont dégueulasses. Ils sont devenus tout flous et tout moches, donc c'est cool, on peut plus prendre de photos in-game ou alors il faut passer par la capture d'écran de Windows. Donc franchement, c'est pas terrible, mais bon, je suis sûre qu'ils vont corriger ça rapidement dans une mise à jour. Du coup, elles sont jamais avantageuses, mais non, c'est, j'avoue. Ouais. Moi, je construis pas de maison, donc j'avoue que j'ai pas trop ce problème-là. En plus, avec les pauses, quand je fais des Sims, nous, on a moyen d'améliorer un petit peu la présentation. Donc, j'avoue que je suis pas trop concernée par le truc, mais que franchement, je comprends, quoi, parce que... Attends, voilà. Franchement, je comprends, parce qu'effectivement, quand il y a des créas qui sont magnifiques et qui se retrouvent avec des miniatures dégueulasses, franchement, je comprends que les gens soient énervés et que ça les... Limite, ça leur donne même plus envie de créer quoi que ce soit, quoi. Donc, il va falloir qu'ils s'y mettent. A priori, il en a parlé dans le live hein, avec un clin d'œil appuyé. Donc, est-ce que c'est en projet? Est-ce que c'est en travaux? Est-ce que c'est... On sait pas. On verra bien. Mais j'espère vraiment pour ceux qui créent des maisons que ça le sera. Bon. Allez, va manger ta salade du jardin. Voilà. Mais c'est sûr qu'une photo personnalisée, franchement, ce serait le top, quoi. Moi, franchement, j'ai été trop déçue. Je pensais qu'on allait avoir des nouveautés en jeu au niveau du gameplay. Bah, j'avoue que clairement, c'est surtout des mises à jour graphiques, enfin visuelles. Il n'y a pas y a pas beaucoup plus d'options ou quoi que ce soit. Et je trouve que faire un live là-dessus, c'était peut-être beaucoup pour pas grand-chose, quoi. Donc, ils avaient prévenu hein, qu'il fallait pas qu'on s'emballe, hein, mais là, quand même, j'avoue que c'était peut-être pas la peine de faire un live, quoi. Enfin, après tout, hein, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils devaient avoir leur raison, mais... Il n'y a plus qu'à patienter, oui. J'aurais aimé avoir à nouveau les escaliers en colimaçon. Ouais, ça, ce serait bien. Mais ils ont fait un sondage il n'y a pas très longtemps sur Twitter, les gourous, où ils nous demandaient quel type d'escalier on préférait, etc. Donc peut-être. Ça m'étonnerait qu'ils posent des questions comme ça pour le plaisir. Donc je pense que c'est quand même à l'étude.
Donc on verra bien, mais je pense que c'est dans les tuyaux. Du moins, j'espère. 8h, on va aller au travail là, non, bientôt. Dans 10 minutes. Et à 10h, il faut qu'on retire une carte chance. Y a pas à dire, hein, la vie est plus facile quand on a une douche et un lit. Hein. Ouh, on galère moins. Tu veux pas faire un dernier tableau là? Non. Oh, puis le travail t'a fourni des vêtements propres, c'est beau. Allez hop, pause. Ah bah. Il était 10h.